quand même. Merci. L'émotion de Maïwenn. Le souffle coupé, la Benjamine de la sélection reçoit le prix du jury. Ma fille, elle m'a dit que t'es pas capable d'aller chercher un prix sans pleurer. Une surprise pour la jeune réalisatrice de 35 ans qui participait à son premier festival de Cannes. Je m'étais interdit d'être déçue si j'avais pas de prix, parce que pour moi, déjà, je me répète, mais d'être sélectionnée en compétition officielle avec Almodovar, Terrence Malick, les frères Dardenne, c'est tellement un honneur d'être à côté d'eux. Foyer Saint-Denis, une mère a enlevé son bébé de 6 mois. Elle est dangereuse, antécédent psy, toxico. Allez, un prix coup de cœur pour un film coup de poing. Une plongée en apnée dans la brigade des mineurs, entre larmes et rires, où l'indicible côtoie l'humour. Cinéma vérité contre exercice de style. Jean Dujardin, l'acteur tchatcheur préféré des Français, reçoit le prix d'interprétation masculine pour un rôle complètement muet. On m'a dit, il faut profiter, profite. C'est super, parce que c'était effrayant, mais je profite, je prends. J'aimerais pas être à ma place. The Artist de Michel Hazanavicius, un film muet dans la tradition des années 20 qui raconte l'idylle entre deux acteurs de cinéma. Je ne trouve que des avantages, en fait, dans le cinéma muet. On peut mettre de la musique sur le plateau, on a des émotions comme ça en live, en direct. C'est très ludique, en fait. Et puis finalement, tout ce qu'on peut exprimer par le corps et les yeux, on n'a pas besoin de le dire. Et parfois, dans certains scénars, on aimerait bien virer quelques phrases parce qu'on se rend compte qu'on peut tout faire passer beaucoup de choses. Un rôle taillé sur mesure pour Jean Dujardin et qui lui apporte une consécration internationale.